voix du Tout-Puissant. Il a soufflé son vent dans ce lieu au milieu de nous. Aujourd'hui, bien-aimé, je te prends.
sortir tel que tu es venu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un thème très important. Ce thème est profond. Amen. La puissance de la parole révélée. Amen. Cette parole révélée aujourd'hui va faire des effets dans ta vie. Mais si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Hasard. Amen. C'est pas même à cause de la cérémonie. C'était prévu que Dieu va faire cette journée spéciale pour toi et pour moi. Amen. Je veux qu'ensemble avec joie, et on donne une reconnaissance à Dieu. Question, merci parce que tu as choisi de me dire un mot aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est pas formidable? Amen. Dieu, tu vas me dire un seul mot. Amen. Cette centurion m'a dit, je n'ai pas besoin de rentrer chez moi. Dis le mot. Mais aujourd'hui, Dieu a choisi même d'envoyer les mots. Amen. Il ne voulait pas les dire seulement. Il dit, je vous envoie les mots. Amen. Et pas un seul. Mais la parole révélée. Je vais te bénir Dieu, Seigneur, merci parce que tu veux me visiter aujourd'hui. Dis ça avant que j'ai invité la dame que tu as choisie. Dis ça. Aujourd'hui, j'ai envie. Je ne suis pas venu ici par hasard. C'est tout préparé spécialement pour toi. Grande acclamation. C'est une femme. Elle n'aime pas qu'on lui ait donné un autre titre. Non. Elle dit, je suis simplement une femme. Que tous les endroits que Dieu l'a dirigé au monde entier, elle dit, je suis une femme. Parce que si on le voit comme une femme, là on va voir qu'est-ce que Dieu peut faire avec une personne, homme ou femme. Amen. Et c'est avec cet honneur, cet respect. C'est ma soeur, c'est mon pasteur, mon famille. Elle n'est pas simplement voulait venir, elle dit, j'ai envie de venir comme une femme. Que Dieu utilise moi comme une femme pour son église. Je veux qu'on l'acclame, que Pasteur Sandra amène nous.